Yon l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec équipe TV Caraïbla et puis Bombard Police, c'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Jodi a nous allons inviter sur les policiers qui veulent créer syndicat dans l'institution policière ici en Haïti. Mais avant nous faire ça, équipe TV Caraïbla veut remercier tout le monde qui toujours branché TV Caraïbla pour information pays. Et un gros remerciement avec ça, toujours qui ton commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici dans Bombard Police, équipe TV Caraïbla, nous apprécions ça. Et si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser, pas oublier d'abonner avec TV Caraïbes et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification TV Caraïbes. Et bien, nous pas perdre de temps, nous déroulé avec information yo. En nous, commission félicitation et dialogue direction générale police nationale d'Haïti CREA rencontrer policiers qui voulaient créer syndicat dans institution policière ici en Haïti. Si information ça nous porter pour nous pas perdre de temps, n'a commencé coulier. De bonne foi, sont question de patience. Donc, et syndicat PNH là, avec Avocali, ils ont rencontré jeudi à une délégation, direction générale, la police, son délégation de facilitation. Donc, l'optique suprême, c'était discuter sous problème syndicat et sous problème policier, ils ont dit que ont évoqué. Donc, et son première phase qui fait dans la sérénité, nous pouvons des conclusions, mais ce qui est important, c'est que nous là pour nous défendre droit policier ou bien pour nous revendiquer. Nous discuter sur des points qui facilitent une sortie qui est bon pour Haïti, une sortie qui a sauvé l'institution policière là, une sortie qui est conforme aux normes, ça veut dire qui est conforme à la constitution, qui est conforme à la convention internationale. Pour quelles conclusions, mais qui garantit qui baille? La seule garantie que nous avons, c'est que, et ça c'était la première rencontre, et nous pensons que et nous avons garanti que nous avons plusieurs autres rencontres juste à ce que et nous éventuellement sortions d'un passage. Maintenant, quand après nous discuter, et nous discutons justement sous des points juridiques, sous convention internationale et sous constitution qui baille policiers droit pour le fonds syndicat. Donc pratiquement, c'était ça. Et puis sous et soi-disant révocation, 5 policiers qui plus semblaient avec une persécution et le fait qu'ils défendent droit syndical. Donc c'était ça. Et m'a dit que terrain a plané. Et sérieusement, a plané. Et Napton, commission, et contacté protecteur citoyen, qui a joué Walmit en jouet là. Et protecteur lui-même, l'a contacté, nous-mêmes avocats, avec les membres syndicaux. Pour nous venir là, nous l'autre chose d'attendre. Qu'est-ce que nous entendons dans le cadre de la conférence aujourd'hui? Bon, nous entendons que depuis nous voyons, parce que nous faisons proposition par nous, la commission lui-même pas là pour le décider. Nous juste dit, mais ça nous voulait, la commission pour le porter l'aller. Proposition par nous, c'est que l'État n'a pas l'autre choix que reconnaître l'existence syndicale, son obligation constitutionnelle et conventionnelle liée. Et deuxièmement, et déclaration intempestive relativement à soi-disant révocation policier qui membre syndicat et pour regarder pour ouais qui j'en ai arrangé ça. Qui complètement direction commission de direction générale. Est-ce que m'a vous dit encore et nous même avocat nous dit soi-disant révocation. Qui attitude même en commission soi-disant révocation. On savait quand ça. Bon, c'était m'a dit une attitude assez patriotique professionnelle et nous venons des cadres vraiment dans la police qui vraiment formés. Donc, monde que je pratique personnellement, c'est IG Muscadin avec le commissaire Boileau, psychologue. Et l'ambiance était vraiment professionnelle, donc tout le bagage est bien passé. Son commission qui était à la hauteur de sa mission. Clair. Et nous avons un protecteur tout, qui joue le médiateur qui était à la hauteur de ta mission. Les prochaines rencontres, nous allons discuter en commission avec
avocat et puis même syndicat. Jean-Bertrand Gassan se dit la commission n'a pas une instance de décision. Donc commission c'est un rapport que l'a fait, il a porté le bailler chez la police là. Donc nous avons d'autres rencontres pour nous capables d'avancer. En tout cas, la police a toujours mobilisé. Et nous pas écouter. Et nous avons une différence. Et bon, ça qu'on y a son mobilisation juridique qu'a fait. Et nous venons en dedans, nous faisons près de 2 heures de temps. C'est des points de droit que nous avons discuté. Maintenant, bataille là où il a fini. Nous pas qu'on bagarre bataille là où c'est avec syndicat pour parler, mais nous-mêmes. Mais c'est avocat syndicat. Non, nous avocat syndicat pour défendre droit syndical. Nous-mêmes, nous pas là pour défendre revendication syndicat. Nous là pour défendre droit syndical gain pour le revendiquer. C'est nuance ça pour nous comprendre. Droit pour mettre un syndicat ou bien. Droit pour mettre un syndicat et droit pour pas subir. Droit pour pas subir. Droit pour pas subir aucune pression, aucune intimidation parce qu'au fond syndicat. C'est là que nous. La parole dans nos syndicats et puis c'est tout. L'avocat prend la parole, je suis sur 2 points seulement. 2 points ça y est, qui pas discutable et puis c'est tout. Merci beaucoup. Juridiction bord de paix, c'est une juridiction libre, bandit pas à remplir là-dedans. Donc, je souhaite féliciter le ministre, là, tout directeur général de la CAFE judiciaire, mon collègue, parce que qui très actif, a crié paquet. Et normalement, dans la semaine, ça, paquet bord de paix a arrêté un pile monde que vous avez cherché. Nous, très actifs, carnaval a passé sans problème bord de paix, parce que pas qu'elle était pas en mesure pour être pas à temps. Et puis, gagné un bandit est tué, un inspecteur police, Bassem Bleu, nous a peine arrêté lui parce que le ministre a des instructions sur lui. Bon gang tout qui était boule le commissariat, la torture, nous a arrêté le tout. Et puis, bon dossier, qu'on équipe qui a fait kidnapping pour de paix, tout, nous avons appuyé commissaire gouvernement Gonaïve là, Metsira. Que nous avons 4 monde dans 4 dossiers, ça qui, dossier ça, bout de port de paix, bout dans le nord, mais il parle dans le nord. Ça veut dire que le ministre a demandé que pour paquet, traquer bandit, pour paquet ferme, parce que le commissaire gouvernement, première mission c'est fermeté et puis la loi. C'est, donc nous comptons rencontrer ça et nous tous là, très contents parce que le ministre est venu, dit nous que, pour nous pas quitter Bayou dormi. Donc nous bien contents rencontrer ça. C'est un plaisir pour nous participer dans la rencontre et ministre. Parce que à chaque fois que nous participons dans la rencontre, nous toujours apprendre de ministre. Parce que le ministre est né, il est pour nous. Il était commissaire au gouvernement, on y a le ministre, nous toujours apprendre de lui. C'est un plaisir pour nous là, pour nous partager ensemble avec collègues nous. Pendant que nous-mêmes nous travaillons dans le juridiction du Chepanouan. Et son motivation en plus pour nous, pour nous travailler plus bien. J'en ai travaillé déjà parce que la juridiction des cas est très active sur le terrain. Donc, bon secret pour personne, côté que gang t'a fait parler de l'île au cas là, qui c'est gang Kirikoua. Donc, on gang nous a dit qu'il t'a fait un pile problème pendant le pays là. Nous avons utilisé toutes sortes de stratagèmes possibles
avec un peu de stratégie, disons, pour nous capables de mettre la patte sous gang ça. Et gang ça a son gang d'âge, il y a 9, 10 moun là-dedans. Et la police, le parquet des cas, met la patte sous 9 déjà. Pour celle qui était, disons, ça, à l'Povo. Donc, il a dit que côté M. Saïda fonctionné, il est très clean. Et dernier gang, l'autre gang, nous était délogé encore, c'est gang Renault. Et tout dernièrement, l'opération a fait fête. Et chef gang ça, il est tombé avec les chanans, ils sont venus tirer avec la police, c'était spirituel. Et reste, il a couru, il a le cas, c'est Jérémy. Parce que nous avons développé une synergie avec le commissaire Jérémy pour nous admettre, mettre la patte sous yo. Parce que côté nous, nous-mêmes, nous pas accepter bandit à fonctionner. Donc c'est objectif de tout commissaire gouvernement. Parce que nous déjà qu'on est en face de bandit, mais en bandit, c'est ennemi. Si bandit, c'est ennemi population. Tant que nous là, tant que nous avons fonctionné, bandit pas qu'à fonctionner pendant que nous-mêmes nous là en tant que commissaire gouvernement. Donc c'est motivation en plus que MJ était bon nous. Et je pense que nous-mêmes, pour nous là, nous gens que nous avons travaillé déjà, nous allons travailler encore plus pour nous faire des résultats. Voilà. Équipe TV Caraïbes là dit merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'es capable d'entendre des informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. C'est TV Caraïbes et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.